Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comment cacher une application ou des applications dans votre téléphone pour que personne ne puisse les retrouver. Voilà. Donc, un exemple, vous avez votre Messenger que votre ami ou votre copine passe son temps à fouiller là-dedans pour regarder vos messages et que ça vous dérange. Voilà. Donc, il y a un autre moyen de mettre un mot de passe sur l'application, mais ça c'est pas cool parce que si vous mettez un mot de passe, c'est comme si vous cachez quelque chose. Voilà, ça c'est pas trop cool. Donc, je vais vous montrer un autre moyen de cacher ça et que personne ne peut trouver ça dans votre téléphone. Voilà. Donc, vous allez d'abord dans Play Store. Vous tapez dans la barre de recherche App Hider. Vous cherchez, c'est celle-là. Vous voyez, nous téléchargeons d'abord cette application installée. Ça s'installe toujours. Voilà, l'installation est terminée. On fait ouvrir. Ça, c'est une publicité. Vous faites arrière pour quitter la publicité. Vous faites autoriser. Encore autoriser. Voilà. Là, maintenant, nous sommes dans l'application App Hider. Donc, vous voyez le plus là, c'est pour ajouter les applications dont vous voulez cacher. Vous pouvez ajouter une seule application ou plusieurs applications. Ça dépend de vous, quoi. Voilà. Et de la performance de votre téléphone. Donc là, nous choisissons de mettre Messenger pour cacher Messenger. On clique sur Messenger, vous voyez une flèche verte. Ça veut dire que Messenger a été choisi. Ensuite, vous faites Import App. Messenger est en train de s'importer dans App Hider. Voilà, c'est terminé. Messenger a été importé dans App Hider. Maintenant, nous allons continuer. Voilà, ça ne veut pas dire que à partir de maintenant c'est caché, c'est pas encore caché. Vous voyez, Messenger est toujours dehors là, donc c'est pas encore caché. Messenger est là, App Hider est là. Donc nous retournons dans App Hider pour continuer la procédure. Vous cliquez sur Messenger, vous cliquez sur Launch Clone. Messenger va vous demander votre mot de passe pour vous reconnecter. Donc vous reconnectez. Ça c'est seulement pour des raisons de sécurité, pour savoir que quelqu'un n'est pas en train de pirater votre Messenger. Voilà. Donc vous voyez, nous sommes dans Messenger. Maintenant, ressortons totalement. Maintenant, nous repartons encore dans
App Hider. Nous cliquons sur Messenger et cette fois-ci, nous cliquons sur Hide. Maintenant, l'application App Hider vous prévient que, en continuant la procédure, Messenger sera désinstallé de votre téléphone, mais ça sera dans App Hider. Voilà, ça veut dire que App Hider désinstalle Messenger de votre téléphone dehors, mais ça reste dans App Hider. Et c'est vous seul qui saurez que ça est dans App Hider. Donc on continue, on installe. Ok. Vous voyez, Messenger s'est désinstallé dehors. Si vous retournez, vous allez voir que Messenger n'est plus là. Messenger était là avant, mais ce n'est plus là. Voilà. Donc, quand quelqu'un cherche, personne ne peut savoir que Messenger est là dans votre téléphone. Mais vous seul savez que Messenger est dans App Hider. Donc, vous cliquez dans App Hider, vous voyez Messenger est là. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que je vais vous montrer parce que App Hider, c'est en anglais, ça veut dire cache d'application. Voilà. Donc, quand quelqu'un prend votre téléphone et voit ça, la personne peut douter peut-être de quelque chose et essayer de voir ce qui est dans cette application. Parce que le nom est bizarre. Voilà. Le nom dit que ça cache des applications. Donc, il y a un autre moyen de changer le nom de l'application. Voilà, vous cliquez sur l'application en haut à gauche. Encore, vous faites Protect Hider. Là, Setup PIN. Et ça vous demande un mot de passe. Vous mettez le mot de passe que vous voulez. Ok, moi je mets 4x0, 1, 2, 3, 4. Et confirmez. Vous voyez, App Hider est devenu une calculatrice. Donc on ressort pour voir ça dehors. Vous voyez, ça va se transformer en une calculatrice. Mon téléphone n'a pas assez d'espace, c'est pour ça c'est là. Voilà, vous voyez, App Hider est devenu une calculatrice. Donc ça veut dire que quand quelqu'un cherche votre Messenger, il peut pas savoir où est votre Messenger. Et en voyant ça, vous pouvez pas savoir que c'est pas une calculatrice, ou bien que c'est une application qui est louche, quoi. Vous voyez, donc même si quelqu'un clique sur ça, c'est une calculatrice, vous voyez. Vous pouvez même calculer 1 plus 1 égale 2. Vous voyez, c'est une calculatrice. Vous voyez, vous pouvez faire 2 fois 2 égale 4. C'est une calculatrice. Mais vous seul savez que ce n'est pas une calculatrice. Vous voyez, avant d'écrire quelque chose, vous tapez seulement votre mot de passe. 1, 2, 3, 4, 4 fois 0. Et ça s'ouvre. Vous voyez, Messenger est là. Vous cliquez sur Messenger. Maintenant, vous faites Launch pour ouvrir Messenger. Voilà, pour voir vos messages. Vous ne faites pas on hide, mais plutôt Launch pour ouvrir votre Messenger. Et là, ça ne demande plus de mot de passe. Vous voyez, ça s'ouvre. Vous pouvez tranquillement voir vos messages, même écrire un message, tout ça, tranquillement, quoi. Vous voyez, quand vous ouvrez, Messenger n'est plus là. Vous voyez, Messenger n'est plus dehors. Hider, vous tapez votre mot de passe 4x0 ou ce que vous voulez. App Hider s'ouvre, une publicité, vous faites arrière, quittez la publicité. Voilà, Messenger est là. Donc vous cliquez, vous faites Launch, Messenger s'ouvre. Vous voyez, tranquille. Donc personne ne peut savoir que vous avez Messenger dans votre téléphone. Personne. Voilà. Donc, quelque chose d'autre, vous pouvez aussi faire ça avec WhatsApp. Mais rassurez-vous, bon, de faire ça avec WhatsApp seulement si vous trouvez que c'est vraiment important de cacher votre WhatsApp, vous voyez. Parce que le système fait que ça désinstalle WhatsApp et ça ramène WhatsApp dans App Hider. Donc, quand vous voudrez ramener WhatsApp dans votre téléphone normal dehors, vous devez
réinstaller WhatsApp et recommencer WhatsApp à zéro, donc vous allez perdre vos précédents messages. Voilà. Sinon, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez toujours utiliser AppRider et WhatsApp sera dedans, ou bien Messenger ou Facebook sera dedans. Voilà. Et personne ne peut vous lire vos messages. Voilà. Donc, merci de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne. Portez-vous très bien. Ciao, ciao.